Je mets ma confiance en toi, Jésus. Je mets ma confiance en toi, chaque jour, à chaque instant. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Je mets ma confiance en toi, mon ami. Je mets ma confiance en toi, chaque jour, à chaque instant. Je mets ma confiance en toi, Jésus, 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 Jésus. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur nous montre combien il est fidèle. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu lis la parole de Dieu, la première lecture, elle nous dit, alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago. Oui, il était rempli de fureur, car il voulait que ces trois se prosternent devant la statue d'or qu'il avait érigée. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé d'adorer un autre Dieu que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Alors, il était fâché. Il a demandé à ce qu'on les jette dans la fournaise. À sa grande surprise, il les entendit chanter dans cette fournaise alors qu'ils étaient ligotés. Il demanda à ses serviteurs si réellement ils avaient ligoté ces hommes, ces trois hommes de Dieu, et qu'ils les avaient jetés au milieu du feu. Ils répondirent, « Assurément, ô roi, Maranatha, mon frère, ma sœur, je te dis aujourd'hui que peu importe la situation que tu vis, peu importe ce que tu traverses, mets ta confiance dans le Seigneur. Comme il l'a fait pour Sidrac, Misac et Abdenago, il le fera pour toi, car il est le seul capable de te délivrer. Il est le seul capable de te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Je le crois fermement. Que si tu mets ta confiance en Dieu, tu verras sa gloire se manifester réellement. Je mets ma confiance en toi, mon Jésus. Je mets ma confiance en toi, chaque jour, à chaque instant. Je mets ma confiance en toi, ô roi des rois. Oh, toi le Seigneur, tu es le seul capable. Seul toi peux faire ce que personne ne peut faire. Seul toi peux dire ce que capable de te sortir de cette situation que tu vis. On t'a appelé stérile, il est capable de te donner des enfants.
Les médecins ont déclaré que tu étais condamné. Il est capable de te guérir. On avait proclamé l'échec dans ta vie. Il est capable de t'élever. Les liens étaient dans ta vie. Il est capable de te délivrer. Seul toi es capable, oh mon Jésus. Seul toi es capable, oh mon Jésus. Tu es capable, seul toi es capable, oh mon Jésus. Tu es capable de me délivrer. Tu es capable de m'élever. Tu es capable de me sortir du chômage. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Oh mon Jésus. Toi seul es capable. Oh mon Jésus. Je mets ma foi en toi, Seigneur. Je mets ma confiance en toi. Tu ne m'as jamais déçu et tu ne me décevras jamais, Seigneur. Tu m'as toujours soutenu et tu me soutiens encore. Et je sais que tu me soutiendras toujours et encore. Je n'ai peur de rien. Je ne tremble devant rien. Car toi, tu es la présence, Dieu de ma vie, Dieu de mes forces, celui qui me renouvelle à chaque instant, celui qui me montre qu'il est toujours capable de me sortir de là où je suis. Oui, Seigneur, parfois tu permets que nous vivions certaines situations pour que tu te glorifies, pour que nous reconnaissions que tu es capable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je t'invite tout simplement à t'abandonner dans ses bras d'amour. Livre ta vie entre les mains de Jésus et il s'en occupera. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Il sait mieux que toi comment te relever. Il te connaît mieux que toi-même. Alors, aie confiance. Aie confiance. C'est lui le Dieu qui est, qui était et qui vient. C'est par lui que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.